bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Mustapha. Alors, première question. Est-ce que vous avez regardé L'île des vérités 2? Ah, pas du tout. Si. Ah, si, on suit assidûment. Bien sûr. Vous en pensez quoi? Moi, je suis contente de nous, quand même. C'est ouais, de nous deux. Alors, Priscilla, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 26 ans et t'es considérée comme la grande sœur dans l'aventure. Ouais. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'émission? À la base, moi, je travaillais dans l'événementiel, donc... Tu faisais quoi? T'organisais des soirées? J'organisais des soirées, des Quel événements dans Paris, booking DJ, lancement de marque, etc. D'accord. Et on s'est déjà croisés. Ah, oula, n'en parle pas. C'est vrai, on s'est croisés? Ouais, on s'est déjà croisés. Où ça? J'en parle ou j'en parle pas? Est-ce que on peut en parler sans que... Peur, hein? Non, je plaisante. Non, oui, j'ai croisé peur. J'ai très rue peur. Du Faubourg Saint-Honoré. D'accord. Voilà. J'ai rien fait de chelou? Rien de chelou. T'étais plutôt tranquille. Bah, c'était pas moi alors. Si, c'était toi. Je suis sûre. Je vais pas sortir les dossiers maintenant, on se connaît pas encore, Mustapha. On va s'arrêter là. On en parlera plus tard. Et donc, on m'a castée, on m'a repérée sur les réseaux sociaux. Et j'ai décidé, dans un premier temps, parce que, bon, pour l'expérience humaine, etc. Et puis aussi parce qu'il y avait un aspect caritatif et je trouvais que ça changeait un peu des programmes télé-réalité d'habitude. Ah oui, c'est autre chose. Puis comme je suis intelligente et que d'habitude, il n'y a pas de gens très intelligents, je me suis dit que ça serait pas mal, peut-être, si je le faisais, ce truc-là. Alors, toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as 22 ans, tu t'appelles Dimitri. Tout à fait, oui. Tu es aussi de Paris. Et t'as participé à cette émission pour contrôler ton caractère jugé trop impulsif. Oui, en partie. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a calmé mon impulsivité, on va dire. T'es dangereux? Non. Jamais? Non, on peut tout à fait me côtoyer. Tu te bagarres dans la rue? Non. Tu castagnes, comme on dit dans la jeunesse? Du tout. Rien? Non. Il est allé pour gérer son impulsivité, il se bagarre pas. Non, mais c'est en partie pour ça, mais après c'est... Mais c'est juste parce qu'une fois il a dit zut et il a dit faut que je règle ce problème. Il faut que je fasse une... Oui, je dois faire un travail sur moi-même. Non. Tu as dit en non, partie non, plus sérieusement, non. Oui. Non. J'ai eu quelques antécédents par le passé qui ont fait que, oui, j'ai eu quelques petits soucis. Quel genre d'antécédents? On se dit tout ici, hein. Ouais, mais on va pas tout dire non plus. Et tu vas me dire des antécédents par le passé? Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas français. Parce que, par exemple, t'as déjà eu des antécédents. T'as déjà eu des antécédents par ouais, le j'ai futur? J'ai quelques soucis, ouais. D'accord. Quelques petits bagarres, ouais, j'ai quelques petits soucis, quelques petits différends avec des personnes, ouais, voilà. C'est... T'as fait de la prison? Ouais, j'ai fait 15 ans, ouais. Dans ta tête, ouais? Ouais, voilà. mais dans la vie? Du tout. Non, garde à vue? En fait, il s'est battu en CE1, hein, il en parle comme d'un truc incroyable, tu sais. Ouais, j'ai jamais fait de prison, mais une fois, on m'a mis au piquet sous le préau. Voilà. Et j'ai pas eu de goûter quand même, hein. Moi je rigole j'étais pas. J'étais triste, hein. J'étais malheureux. Ah bah oui, le piqué c'est violent quand même. Ça fait mal, ouais. Ça laisse des séquelles. Et donc t'avais besoin de te retrouver, j'ai envie de dire. Non, ouais. Disons en partie, j'ai été séduit déjà par le côté caritatif dans un premier temps, l'expérience humaine également. Il y avait une certaine intelligence dans ce programme-là, contrairement à certaines télé-réalités qui a fait que j'ai accepté l'aventure. Tu peux nous parler de l'intelligence du programme? Ouais, bien sûr, ouais. Non, bon, mis à part tous les clashs, mis à part toutes les embrouilles qu'on peut voir, qu'est-ce qui reste? Bah, des belles rencontres. Le générique. Ouais, voilà. Il reste non, plein de choses. Il y a de belles rencontres, c'était juste formidable, des décors absolument magnifiques. On a fait de beaucoup d'activités qui étaient... Le cadre, 5 semaines à Montréal quand même. Sensationnel, ouais, le cadre. Quand même à Tahiti, ouais. En réalité, je vous ai invité tous les deux parce que je vous aime bien. Merci. C'est gentil. Mais surtout parce que vous êtes les seuls rescapés de cette aventure. Tous les autres sont morts. Non mais... Juste, alors, peut-être qu'on a une fausse idée du programme, mais il y avait combien de bagarres par jour? Non, pas par jour, mais il y a eu... par heure? Non, par minute, tous les quarts d'heure. Non, c'était pas que... Il y a eu, on est 10 personnes, très fort caractère. Ouais. Le casting a vraiment été bien fait sur ce coup-là. Très différent, on n'a pas les mêmes principes, on n'a pas tous les mêmes valeurs de vie. Et donc, il faut s'acclimater, il faut vivre avec des gens pendant 5 semaines et des gens qui ne voilà, qui sont pas forcément comme nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de l'émission? Bien sûr. Ouais. Bah c'est le... Je me lance. Pas droit d'aller sur Wikipédia. Hein, non, du tout.
Non, non, le principe, c'est d'avoir un groupe de jeunes qui vient en communauté, qui partage des moments ensemble. Après, parallèlement à ça, donc, il y avait le côté caritatif, donc, comme on l'expliquait. Oui. Donc, avec la construction du Phare Époté, et puis évidemment, on ne va pas se le cacher, hein, il y a beaucoup c'est de... C'est une école que vous devez construire. Ouais, c'est un centre culturel. Un centre culturel. Un centre culturel pour les enfants, tout à fait. Pour ensuite apprendre éventuellement à lire, pour certains candidats. Ouais. Exactement. C'est ça. On a essayé sur place. On a essayé sur place. Il y a aussi quand même, c'est ce qui caractérise quand même le programme, c'est que chaque personne est mise face à une vérité de son passé, donc un proche, une proposition professionnelle ou quoi que ce soit. Et donc chaque personne a eu quelqu'un de sa famille ou un de ses proches ou qui est venu annoncer quelque chose. Justement, parlons de ça, je t'ai vu pleurer à l'écran. Tu as eu des nouvelles de ta famille et il y a un truc qui t'a choqué. Et... D'ailleurs, tu t'es isolée, tu as eu peur de craquer devant les autres. Ouais. T'as appris quoi, en fait? Non, j'ai eu des nouvelles de mon ex-copain. Ouh là 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 là. Regarde comment il est vénère, là-bas. Hein, ça ressent le préau, là. Pire. T'as pleuré quand même. Oui, parce que d'abord ça fait... Parce qu'elle est encore amoureuse de lui. Non, pas du tout, pas non, du tout. Excuse-moi. C'est pas ça du tout. D'abord, premièrement, parce que c'est bizarre. Arrête de me le chambrer. J'adore. Ça suffit maintenant. Non, mais on n'a qu'un amour dans la vie. Et voilà, t'as eu des nouvelles et forcément... Non, après, tu l'as regardé, t'es dit bon... Pas du tout. Non, c'est pas ça. Absolument pas, non. C'est juste le fait d'avoir déjà des nouvelles. C'était une rupture assez fraîche avant que je parte sur l'île. Pourquoi? Bah, on s'entendait beaucoup moins qu'avant. Et je pense aujourd'hui, vous êtes ensemble, on le précise quand même. Oui. Tout à fait, oui. Donc c'est un peu violent, l'ex qui rappelle et qui fout un peu la merde dans le cou, non, on peut le dire. Non, ça n'a pas foutu la merde entre nous. Ça on va le laisser répondre. Non. Non, mais... non, non, ça n'a pas foutu la merde. Bah, pas du tout foutu la merde. Ah, ça a marché, t'arrives à gérer tes impulsions non, maintenant. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, disons que, voilà, comme on avait tous une vérité, et c'est notre moment à nous, en fait, dans l'aventure. Il faut savoir qu'on est vraiment isolé du monde. On a 22 000 km de chez nous, on n'a pas de moyen de communication, on n'a aucun téléphone, on n'a rien. Ouais. Donc vraiment, les sentiments et les émotions sont vraiment décuplés. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que c'est un moment vraiment, vraiment très personnel quand cette vérité arrive. Et j'ai estimé que c'était vraiment à elle de prendre sa décision, de faire son choix. Et peu importe le choix, je le respecterai. De faire son choix entre ton nouveau chéri et l'ancien. Il avait déjà un début de quelque chose entre nous. Donc forcément, lui, il m'a dit, prends ta décision de ton côté. Mais quelle décision ton ex t'a rappelé pour s'en remettre avec venait, toi oui, il venait. Ah non, mais au moment où il est venu, en fait. Il est carrément venu. Il est venu, oui. Oula, comment ça s'est passé entre vous deux? Non, ils se sont pas vus. Non, c'est pas vu. Non. J'ai fait en sorte d'aller seul, à ma vérité. Ah, il voulait. T'es planqué derrière un cocotier? Non, pas du tout. Il était prévu qu'il vienne avec nous, puisqu'on était quatre personnes très proches, et j'ai décidé de... Et qu'est-ce qu'il t'a dit, ton ex, alors, pour te récupérer? Rien. Rien, il non, fait 22 000 km et il dit rien. Je lui ai tout de suite dit, avant qu'on rentre dans des considérations ou dans des grands discours, je lui ai tout de suite dit que je m'étais rapprochée de quelqu'un, et ça a coupé court au... Voilà. À la négociation. Il arrive avec une bague, hein, je dis ça, je dis rien. Il arrive avec une bague ? Voilà, il arrive avec une bague. Et tu la t'aimes ? Non, c'est pas moi qui l'ai jeté, c'est lui. Il s'est jeté lui-même ? Ouais. Je comprends plus rien à solution. Tu comprends comment c'est des embrouilles de partout ? Comment non, ça, il a jeté la bague dans l'eau, il s'est pas jeté lui à l'eau, quand même pas. Et surtout, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, t'es amoureuse de Dimitri. Je l'aime beaucoup. T'es amoureuse? Moi, je le suis pas. Alors, je vais non, te dire. Mais alors, non, c'est les moi filles qui disent dire, non, je suis bien. Non, ou t'es amoureuse? C'est tu moi les connais, qui ces meufs-là? Ça fait 10 piges, elles sont avec un mec, t'es amoureuse? Non, je suis bien. Mais là, bien. En l'occurrence, non. Ça fait pas 10 piges, ça fait un mois et demi, non, deux mais, mois. Voilà, mais je suis bien, j'en veux plus. Ou on s'aime, ou on s'aime pas. Je suis très proche. Eh ben, je vais très proche. Je suis très proche, moi, je suis très proche de ma mère. Moi aussi, je suis très proche de ma mère. Non, même trop, on ne peut pas parler d'amour à ce stade-là de la course, je suis désolée. Si j'ai mon mot à dire, c'est relativement récent et on est assez... La tête sur les épaules, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Sur les épaules, on ne veut pas trop se surexposer. Oui, mais c'est un signe fort de jeter ton ex qui a fait 22 000 km. Oui, mais c'est pas pour lui que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais des soucis dans ma vie et qu'il n'était pas question que je retourne dans avec cette personne-là. Donc tu n'es pas amoureuse, c'est ça que tu veux nous dire? Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Je l'aime beaucoup, c'est beaucoup quand même. Mais c'est pété, je l'aime beaucoup. Attends, on tombe pas amoureuse en 3 semaines? Je l'aime beaucoup. Bah toi, peut-être si. À moi, en 3 minutes, des fois. Ah ouais? T'es un comme ça, toi, alors. Sur toi. Quoi? Tu vas faire quoi? Eh, je te bute à la récré, moi. C'est quoi ton secret, toi? Ta vérité, je veux dire. Ma vérité, c'est un ami à moi qui est venu, donc qui a fait le chemin pour... Ah, j'ai vu.
Il est revenu te voir alors que vous étiez embrouillé en boîte? Voilà. Non, pas... Oui, non. Non, c'est le meilleur truc que j'ai vu dans l'émission. En fait, il y a un pote à lui qui est revenu le voir alors qu'il se parlait plus depuis très longtemps. Déjà, il y a un truc chelou que j'ai pas compris, je l'ai pris en cours. Tu faisais de la boxe thaï bizarre quand il est venu te... C'était quand Marlène elle nous faisait faire du sport. Ah, non, la boxe thaï roumaine sans les mains, tu sais, t'étais... Il était comme ça. Et... La boxe room. Tu faisais de la boxe room. Ouais, voilà, ouais. C'était quoi, du step? Ouais, on faisait du step avec Marlène, avec Marlène Moreau. Tellement gay, le step. Trop bien. Alors, et tu faisais ça, et alors, je vous raconte, il y a son pote qui a tapé dans le dos, il l'avait pas vu depuis... Depuis plus d'un an, ouais. Plus d'un an. Et en fait, son pote qui est génial, alors lui, il a expliqué qu'en fait, il se parlait plus. Parce qu'un jour en boîte, ils se sont tous battus, il raconte comme ça, il raconte normal, il dit « Ouais, parce qu'en boîte, on se parle plus parce qu'on s'était tous battus, et moi, il me parle plus parce qu'au lieu de le défendre, j'avais couru. » Non. Bah oui, oui. Bien sûr. Il l'a dit, je l'ai entendu. Moyen quand même. Ouais, hein. Si j'ai mon mot à dire pour expliquer, pour voilà, remettre un petit peu dans le contexte. Oh la balle trinque, ton pote. Ça, c'est chaud quand même. Tout ça regarde... parce que j'ai couru. Bah oui. T'as couru, oui. Mec. En effet, ouais, il m'a laissé. T'as laissé en galère. C'est lui qui a un peu provoqué. Et en plus. Tout ça, c'est de sa faute. Moi, un pote qui part en courant, je lui parle plus, je veux dire. Mais si, il fait 22 000 km pour te dire pardon. J'aurais préféré qu'il fasse 3 mètres pour revenir me défendre, ouais. Moi, je... Quoi ? Dans cette émission, il y a des célébrités qui vous ont rendu visite. Alors, il y a quand même Marlène Moreau, Willy Denze et Quentin du groupe Alliage. Vous avez tourné en quelle année ? Juste pour savoir. C'est pas gentil. C'était le petit côté rétro de l'émission, en fait. Exactement. C'est old school, quoi. Est-ce que vous pensez pas franchement qu'on aurait dû remplacer les trois célébrités par Pascal le grand frère pour qu'il calme un peu le jeu? Franchement. Mais s'il y a Pascal le grand frère dans le programme, ouais. Il n'y a pas de programme. C'est Pascal le grand frère. Non, et puis je pense que s'il était vraiment venu, je pense qu'il aurait fini à la tête dans la piscine ou dans l'eau. Ouais, ça aurait pas été. Il y avait trop de fous furieux pour qu'il tienne le coup. Même Pascal le grand frère aurait flippé. Ouais, je pense qu'il aurait jeté l'éponge, même Pascal le grand frère, franchement. Chuck Norris, faut Chuck Norris pour moi. Ouais, il faut Chuck Norris. Au moins. Minimum. Au moins. Je vais vous montrer les photos des autres candidats et vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord? Ok. Tout premier candidat, Inès. Ça commence bien. Aïe. Aïe. Je vais être très claire et ça tombe très bien que tu m'aies invitée sur ton plateau parce que j'ai pas mal de trucs à dire sur Inès. Avec grand plaisir. D'abord, je tiens à dire à tous les gens sur les réseaux sociaux qui m'assassinent quand ils me voient en train de remettre Inès en place dans le programme que ça sert à rien, que vous n'étiez pas sur place pour savoir ce qui se passe. Inès, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste quelqu'un de... C'est juste quelqu'un qui assume pas ce qu'elle pense. Et qui dit des choses qu'elle n'assume pas, et elle le dit toujours en douce. Et quand on la met devant le fait accompli, elle est pas franche. Et moi, je suis quelqu'un de très franc, ça me dérange. T'en penses quoi, toi, Dimitri ? Inès, disons que j'ai eu quelques différends avec elle. Ah. C'est vrai que c'est une nana qui va dire beaucoup de choses à droite à gauche. D'accord. Qui va un petit peu pinailler à droite à gauche et pour un... Enfin, le téléphone à rame, mais voilà. Pardon ? Cindy. Ouais, non, elle sert pas à grand chose, quoi. Donc elle est un peu effacée. Non, c'est vrai, elle est effacée. Elle est moi, un petit peu effacée dans le programme. C'est une nana qui est très gentille, mais j'ai eu une altercation avec elle en lui disant, mais elle ne prend pas position. Elle a 32 ans, la nana, et parfois elle est incapable de prendre position. Quand il y avait certains aboutis qui avaient mis la nourriture, même le sol, en rigolant, on voit les images que j'ai découvertes en même temps que tout le monde. Elle arrive dans la cuisine, ça se pose pas la question, est-ce que c'est normal qu'elle a fait ça, quoi. Elle est là, et comme un poteau, et elle fait rien. Geoffrey. Oh bah Geoffrey, c'est clair, je me suis entendue avec lui une semaine, donc... Et après, il n'y avait plus rien. Non, la dernière semaine. Les quatre premières semaines, ça passait pas du tout avec Geoff. Parce qu'on n'a pas la même manière de penser, parce qu'il est... parce que c'est quelqu'un qui glande pas grand-chose et que ça me tape sur le système. Geoff, mais je te fais quand même un bisou, chouchou. Oh, un bisou, Geoff. Un bisou piquant, parce qu'à la fin, ça a été mieux. À la fin, on s'est mieux entendu, donc voilà. Geoff, tu peux être que cool quand tu t'appelles Geoff. Geoff, j'imagine un mec avec une écharpe et du thé. Salut, c'est Geoff. C'est vrai? Ouais, ça fait ça. Aurélie. Ah, Aurélie, la tigresse. Aurèle. Qui, elle, a avoué par rapport à vous qu'elle n'avait pas du tout fait l'émission pour le côté associatif. Exactement. Aurélie, c'est
Quelqu'un que j'aime beaucoup, contrairement à ce que pas mal de gens pensent. Mais voilà, il ne faut pas oublier, dans le programme, c'est la petite peste, c'est la petite starlette, elle fout le bordel, elle fait n'importe quoi. Je me suis clashée plusieurs fois avec elle parce qu'elle a fait des trucs qui me correspondent pas du tout. Léa. Léa, c'est ma chouchoute. Sosie d'Angelina Jolie. Oh, tout. Ouais, elle a des airs, mais elle lui ressemble pas. C'est une très jolie fille, Léa. D'ailleurs, il l'aime beaucoup, Dimitri, Léa. Ça y est. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, t'as quelque chose à dire? Ouais, c'est une fille très gentille, ouais. Qui est très jolie également. Et puis, d'accord. Très sympa, ouais, on est amis aujourd'hui, tout à fait. Mmh. Ouais. C'est ce que tu voulais, être amie avec elle au début? Ouais, tout à fait. Hein? Non, disons... C'est un truc de garçon, là. Ils se sont rendus compte que ça ne connaît pas. Je peux parler, c'est bon, attends, t'inquiète pas. Oh, monsieur porte la culotte. Oui, mais c'est moi qui l'enfile. Pardon? C'est moi qui l'enfile. D'accord. La culotte. Vous avez l'air d'avoir la tête sur les épaules. On va prouver tout de suite que sur l'île des vérités, il n'y a pas que les teubés avec le quiz. Quel est le vrai prénom de Julien Courbet? Julien. Sûr? Certaine. Certaine, d'accord. Et toi? Julien, oui. Julien. Mauvaise réponse. Teubé. Ah ouais? C'est Frédéric. Ah bon? Ben oui. Mais pourquoi il a pas changé de Frédéric en Julien? Je sais pas, parce qu'il faisait de la radio à l'époque et je crois qu'il y avait déjà un Frédéric et il a dû trouver le nom de Julien. C'est cool, ah ouais. On l'apprend à l'école, ça. Non, je crois pas. Loana a gagné le premier Loft Story, mais qui a gagné le troisième? Loft? Dimitri, ouais. Je m'y connais pas, t'as la réalité. Non, non, mais je crois pas qu'il y a eu trois Lofts. Après, ça a passé. Ah, c'est vrai, je m'y connais pas. Oui, je sais. Non, c'est vrai. D'ailleurs, lui, il s'est rendu compte que c'était filmé le jour de la diffusion. Ah ouais, c'était ça les caméras. Non, les enfoirés. Je crois qu'il n'y a eu que deux lofts, non? Très bonne réponse, il n'y a eu que deux lofts. Bon, on ne lui fait pas, elle. Sur les questions de fond. Si on mange ces 5 fruits et légumes par jour, on en aura mangé combien en une année? 365, donc on va la poser. 5 fois 5, 25. Je retiens 2. 5 fois. Merci. Bravo. Ah lui, alors lui. Non, et je crois que j'avais bien calculé. Lui, il a redoublé même son accouchement. Il arrive à 18 mois, tu sais. Elle a rien dit encore. Elle a fait 5 fois 5, 25. Il a fait ouais. Putain, faut qu'on calcule. Donc, vas-y, 1720. Et toi, tu dis? J'ai pas calculé. 1825, mauvaise réponse. Dommage. Teubé, là. Pardon, la teubé là. Pas qu'il dit, hein. Devant la France entière, merci Mustapha, c'est super gentil. Mais non. Comment s'appelle le président de la République anglaise? Chut. C'est facile. C'est une reine. Pardon? Non, le. De quoi, t'as dit quoi? Il a dit que c'était une reine. Qui? Le président de la République anglaise? Non, le président de la République anglaise, c'est qui? C'est une boutade. Il n'y a pas de président au Royaume-Uni. Il y a quoi? Il y a une reine et il y a un premier ministre. Et ça se gratte le 1, c'est normal. Non, ça, je me gratte les... C'est pas vrai, je me suis gratté en dessous, en plus. Non, pas du tout. Voilà, bonne réponse. Merci. Un télo. Et on se concentre pour la toute dernière question. Qui est le frère de la fille de la mère de ma sœur? Oh là là. Le frère. La mère de ta sœur. Donc la mère de ta sœur, c'est ta tante. Ouais. Sa fille, c'est ta cousine. Ouais. Et c'est son frère. Donc c'est mon cousin. Donc? C'est ça, non? C'est cousin, je crois. Ouais, ouais, c'est mon cousin. Le maire. Non. Le maire? Le frère, non, excuse-moi. Le frère. Je te laisse aller au champ. Ouais, je crois que c'est mon cousin. Ils sont frères et sœurs, les deux derniers? Qui est le frère de la fille de la mère de ma sœur? Oui, c'est ça, c'est mon cousin. Tu m'as embrouillé, tu me l'as remise à l'envers. Vas-y, c'est ça. J'ai essayé de te carotter, mais ouais, t'as réussi. C'est ça, c'est mon cousin. Ouais, c'est la mauvaise réponse. Purée. Ah bon, c'est qui alors? À ton avis, c'était quoi alors, si c'est la mauvaise réponse? Dimitri, on t'entend pas beaucoup. Non. Qui est le frère de la fille de la mère de ma sœur? Le frère de la fille de la mère de ta sœur. Ah, la mère de ma sœur. Bah, c'est toi. Ah, on est de là, ton sœur. Là, ouais, je veux bien le tampon là. Le tampon quoi? Le tampon teubé. Elle est trop mignonne, elle a beaucoup de recul. On peut quand même les applaudir. On applaudit encore très fort mes invités. Elle s'appelle Dimitri. Elle s'appelle Christina. Vous pouvez les retrouver tous les jours sur Énergie 12 à 17h35.
pour Lille, des vérités de. On a besoin encore très fort mes invités, Priscilla et Dimitri.